Alors bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit let's play, un petit live hein, sur Elden Ring, sur PS4 pour ma part, un petit live nocturne. Hein. Du coup moi je connais pas bien le jeu, j'ai fait que deux petits let's play. Donc du coup voilà, j'y vais un petit peu à la cool. Hein, Alors je vais prendre la monture. Et je vais retrouver les runes que j'ai perdues la dernière fois. Ah oui, c'était par là. Ok, d'accord. Je me rappelle. Alors on va accélérer un petit peu. Ah, le monde est vraiment magnifique, hein. Franchement, la DA, elle est superbe. Avec le brouillard, l'effet de brouillard bleuté là, les arbres orange. Oh là là, c'est vraiment magnifique. Alors du coup. Ouais, fallait grimper un petit peu, je crois. Si je veux retrouver mes runes. Je sais pas ce que c'est que ces méduses là. Ah, j'étais pas allé ici, je crois. Ah, par contre, je vois que dalle. Grotte aux eaux stagnantes, ok. Alors, je vois rien du tout, par contre. Ah, il y a un point de grâce. Très bien. Donc, grâce évanouie découverte, ok. Alors j'ai fait, d'accord, une rune dorée, je suis tombé, en plus je vois que dalle, franchement. Ah. Donc là il y a des ennemis. Ah d'accord, je suis empoisonné. Ok, bon, j'ai péri. Bon, du coup, j'aurais pas dû m'aventurer dans cette petite grotte parce que j'ai perdu les runes de la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Je retrouverai des runes, j'en regagnerai. Mais en plus, c'est vrai que c'est pas évident. Là, c'était un petit coin exigu, là, exigu. Avec les plantes là qui m'empoisonnaient. Alors je reviens là, par contre je vais essayer peut-être de repartir. Mais je sais même plus où est la sortie. C'est tellement sombre, on voit même pas. Je sais même pas si je suis en train de remonter ou si je suis contre un. Poison de redevant, ok. Oui, d'accord, donc là c'est le truc, ok. Et par contre, comment je sors de. Ah, si, je peux l'attaquer de haut comme ça. Ah, bon, je suis un petit peu loin. Ça la touche pas beaucoup. Mais bon, le problème c'est que si je me rapproche là, je me prends le poison dans la gueule. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Donc j'ai obtenu la mousse des cavernes, ok. Je sais pas si on peut remonter après. Ouais, je tente. Ouais, faut que je prenne
Oula. Ah oui, d'accord. Alors, je sais pas. Je me suis pris une boule de poison ou je sais pas quoi de loin là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a balancé ça. On aurait dit je crois, un monstre de loin avec une tête de champignon. Il avait l'air d'avoir une longue épée dans les bras. Ok, bon. Alors, ce qu'on va faire, on va. Liste des sites de grâce. Et ce que je vais faire, parce que je sais que je suis allé un petit peu loin sans avoir tout exploré, je vais retourner un petit peu au début. Parce que là, je suis à Lurnia, la contre-lacustre. Mais Nécrolimbe. Bon, bah, si on a la table ronde, ça y est, pas de soucis. Nécrolimbe. En fait, il y a plein de trucs que j'ai pas explorés. Ah, d'accord, je peux pas voyager. D'accord, faut que je sois vraiment à l'extérieur. Ok, alors le problème, c'est que je vois que dalle. Je sais vraiment pas du tout. Ok. Là, je suis tombé, donc en fait, je vais redescendre. Oh là là, je sais pas du tout comment sortir de ce truc, de cette grotte là. Ah, le truc c'est que de haut, ça lui fait pas trop de dégâts. Ah, c'est lui qui me... Ok, d'accord, je me suis fait avoir. Là, c'est la grotte de l'enfer, là, en fait. Ok, donc voilà, j'ai retrouvé la sortie, très bien. Je pense que c'est mieux de repartir par là. Allez, je repars au tout début, parce que j'ai loupé plein de trucs. Et je crois qu'il y a des boss que j'aurais dû affronter, que j'ai pas affronté. Donc on va retourner au tout début, on va prendre un peu plus le temps. Je me suis un peu précipité pour avancer, mais en fait, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Alors, du coup, on arrive à la Nécrolimbe. Alors, il y a lui d'ailleurs, tiens, ça serait bien que je le tue. Parce que j'avais pas vaincu la première fois. Maintenant que je m'y connais un petit peu mieux dans le jeu, je vais peut-être arriver à me débrouiller. Oula. Sentinelle de l'arbre. Oula. Ah, il m'a fait un one shot? Non. Il m'a fait un one shot, waouh. Non, c'est incroyable. Un one shot carrément? Non, mais c'est pas possible. D'accord, et c'est un monstre du début du jeu quand même. Hein. One shot, franchement, c'est un truc de ouf.
Ok, j'ai récupéré les runes perdues. Oh là là, il m'a quasiment one shot là. Je l'ai à peine touché. J'ai un peu touché, ouais. Ah putain, oh là là. J'ai péri. Eh mais la sentinelle de l'arbre, c'est ultra dur. Bon, je pense que je vais l'éviter. Là, ça sert à... Je dois pas être assez fort, en fait. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un... Bah, je pense que c'est un boss. Il a une grande barre de vie, quand même. Mais c'est un boss du tout début du jeu, quoi. Et il est ultra fort. Et pourtant, j'ai pris quelques levels, mais ça suffit pas, hein. Je suis level 9, hein, j'étais 6 au départ. Donc je crois qu'on va laisser tomber ce boss pour l'instant, on reviendra plus tard. Sentinelle de l'arbre. Ah, je vois pas trop quand même, il nous fait one shot. C'est un petit peu compliqué, hein. D'ailleurs, là, il y a plein de trucs ici, parce que moi, j'étais remonté au nord. Et ce serait bien peut-être que j'explore tout ce qu'il y a par là. D'ailleurs, je vais appeler l'aventure. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que la sentinelle... Ouais, mais bon, même. Il me fait des one-shots... En tout cas, les chauves-souris, j'ai plus de chances de les vaincre que le gardien de l'arbre. Ça, c'est clair et net. Ok, donc ça va. Ouais, tant qu'à faire, autant explorer ce coin-là. Il y a sûrement plein d'endroits à voir. Ah, qu'est-ce que c'est beau, franchement. On voit la lune là en plus, c'est vraiment magnifique. La DA, j'adore la DA. Ah, là il y a des flammes. Je sais pas si c'est des monstres ou des guerriers autour. Ah, le dragon. Aguel, le dragon volant. Waouh. Ah, il y a des trucs à récupérer là du coup. Faut essayer d'éviter les flammes. Ouh là là. D'accord, j'ai péri. Je sais pas si on peut le vaincre facilement, enfin entre guillemets facilement celui-là. Et j'avoue que si j'ai fait le... Enfin si j'ai pris le jeu, c'est aussi un peu parce que j'avais vu ce dragon géant. Et ça m'avait donné tellement envie. Je kiffe trop les dragons en plus. Donc du coup, combattre ce dragon géant, ça m'avait donné vraiment envie. Après, le truc c'est que c'est pas si simple. Alors on voit du coup sur la carte.
Les ruines calcinées par un dragon qui sont apparues. Alors, hop. Allez, on va récupérer les runes. Bon, il y a les chauves-souris qui sont revenues. Bon, les chauves-souris, du coup, ça va, hein, c'est pas le pire. Ok, donc ça c'est bon. Alors les runes, elles sont où? Sur le plan. Alors le dragon, il est là, ok. Alors les runes, elles sont là. Très bien, hop là. Donc, le dragon, il réapparaît pas, il est déjà là en fait. Il est où? Bah il est où? Hein? Ah il est là. Ah oh, purée. Ah putain. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Allez, vite, vite, vite. Pour éviter les flammes. Oh non! J'étais entièrement calciné, non! Oh là là, bon. Allez, on repart. On va essayer d'affronter le dragon. Et bon, en définitive, je sais pas ce qui est le plus dur, le dragon ou le cavalier là. En réalité. De toute façon, déjà, il faut que je récupère mes points de mes runes. À la limite, le dragon, je vais peut-être attendre un petit peu. À mon avis, ça va être compliqué. Enfin, c'est déjà compliqué de toute façon.
pas les... Le truc c'est que je vois pas les runes. Hein. Je crois tant pis pour les runes. Ah là là, non! Purée, il s'est jeté sur moi. En fait, c'est que c'est ultra dur de voir d'où... où est-ce qu'il va atterrir. D'anesthésie de grâce. Ah là là, bon, tant pis pour les runes. Hein. Je pense que je vais laisser tomber le dragon. Je vais explorer un peu aux alentours, mais du coup, sans m'occuper du dragon, parce que là, c'est clair, j'arriverai pas à le vaincre. En tout cas, pas pour l'instant. J'avoue, moi, c'est un des jeux les plus durs que j'ai jamais fait, je crois. Franchement. Très jeu, très très sympa, mais très très dur. On se fait toucher une fois ou deux, on meurt. C'est vrai que c'est un peu compliqué, quand même. Un petit peu compliqué. Alors. Ah d'accord, alors là, bon, j'ai sauté trop haut. Par contre, je dois bien savoir comment utiliser les ingrédients pour faire des... pour faire des potions ou des choses comme ça. Bon, le dragon, je vois là-bas, mais je vais pas, voilà, je vais pas l'affronter. Je vais juste regarder un petit peu ce qu'il y a à découvrir dans le coin. Parce qu'il y a tout un coin comme ici à observer, à explorer plutôt. Ok, herba. Ouais, une chauve-souris. Ah putain! Oh là là!
Oh putain, j'ai pas le temps de lancer mon sort. Oh putain, mais... Je voulais lancer mon sort, il s'est rien passé. Non, c'est un truc de dingue. Oh putain, ça m'énerve. Oh putain. Oh là là, bon, d'accord. Faut vite que je trouve un site de grâce, là. Ok. Et en plus, il en restait encore, là-bas. Oula! D'accord. Putain. J'ai pas eu le temps d'appeler ma monture. Oh là, mais quel jeu. Mais ce jeu... Ah, c'est un jeu de... infernal. C'est un jeu de l'enfer, quoi. Je pense que le jeu est sorti tout droit de l'enfer, en fait. Je vois pas d'autre explication. C'est le diable qui a fait le jeu, je crois. C'est un truc de dingue. Ce jeu, c'est un truc de dingue. Ah, faut vraiment avoir un skill de ouf pour... Ok, alors, on repart. Bon, déjà, on va récupérer les runes que j'ai accumulées. Pas non plus que je saute de trop haut. Donc là ça va. Ah, il y a les vampires là. Vite, prendre une potion. Voilà. Putain, putain. T'as pas le temps. Je crois quoi, il y a eu un bug là, il a pas voulu sortir mon sort. Oh là là.
Non mais je vais utiliser deux potions contre trois chauves-souris quoi. Ok, donc ça c'est bon. Ah, je crois que j'ai... Voilà, j'ai rechargé pendant une fiole. Donc ça déjà c'est bien. Bon, il s'est échappé. L'autre, j'ai réussi à l'avoir. Pierre de forge, os fin de bête. Donc je récolte ce que je peux récolter. Ah, il y a une tortue. Viande de tortue, ok. Une sorte de mort-vivant, un peu, on dirait. Voilà, attaque par derrière, voilà. Comme ça, je fais one shot, moi aussi. Ah, si je pouvais faire ça au dragon, ça serait bien, mais... Donc là, on est dans les ruines cassées par un dragon, hein. Oh non, j'ai péri. Oh là là.
Ok, donc ça c'est bon. Putain. Putain, j'arrive pas à le choper. Putain. Putain! Non, mais d'où il sort lui? D'où il sort? Oh là là, putain! Oh, mais c'est pas vrai! Eh, mais c'est l'arnaque! Putain, j'étais en train de boire une potion et l'autre il débarque de je sais pas où. Putain, à chaque fois faut que je retourne chercher les runes. Bon, je vais peut-être arrêter de. Bon, je vais chercher les runes. Et je vais me barrer à un site de grâce. Ça se trouve, avec toutes les runes que j'ai accumulées, j'ai de quoi monter un level en fait. Alors que ça devient n'importe quoi là. Ça devient n'importe quoi. Non, mais c'est un jeu quand même. Franchement. Alors après il y en a qui ont du skill et tout, voilà, il y en a qui sont habitués au genre, au Dark Souls et tout. Mais pour le grand public, moi je trouve que c'est dommage que pour le grand public quand même, qui veut découvrir la formule, parce que c'est des très bons jeux, faire peut-être un niveau de difficulté moins grand quand même. Je sais pas. C'est ça enlèverait pas quand même l'expérience quoi, mais là vraiment c'est ultra compliqué quand même. En fait, c'est réservé à une élite. Enfin, c'est un peu dommage, quoi. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout du jeu. Hein. Enfin, est-ce que j'en serai capable déjà? Je me pose des questions parce que c'est quand même très, très, très dur. C'est quand même très très dur. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Putain.
Bon, de toute façon, je trouverai peut-être un site de grâce dans le coin. Bon, la tortue, il n'y a pas de souci, hein, je peux la vaincre. Lui, il va en profiter pour m'attaquer, je le sens bien. Voilà, comme ça, je récupère la viande de tortue. Je remonte sur ma monture. Le panorama, c'est beau, hein, franchement. Tellement dommage que le jeu soit aussi dur. Ah, j'ai trouvé un œuf endormi. Là, y a quoi là? C'est un marchand, c'est quoi? Papillon flamboyant, ouais. Alors lui, je peux lui parler, mais il faut que je descende. Ouais, je suis de nouveau sans éclat, ouais. Ouais, affronte un dragon, ouais. Et alors, il va pas m'aider? D'accord, ok. Ok, c'était vachement utile, merci de ton aide. C'était super sympa. Super sympa. Ça valait le coup de descendre de la monture. Hein. J'ai gagné une rune dorée. Alors là, il y a des... eux, je sais que je peux les vaincre. Il n'y a pas de souci. Au contraire, j'en profite pour gagner des runes faciles. Pour prendre des levels après. Parce qu'après, contre les ennemis plus corsés... Et là, par ici, il y a quoi? Alors par rapport à la map, là, ouais, on arrive au bout de la map. Oula, par contre, ils m'ont fait mal, là. Le truc, c'est qu'il y a l'inclinaison de du tir là. Voilà, lui c'est réglé. Ok, j'ai restauré une fiole. Merde. Ok, lui c'est bon, je crois, ouais. Oula. Voilà, encore un coup.
putain. Voilà. Lui, c'est bon. Ah, il y en a encore un là. Bon, je tape trop vite aussi. Encore un coup. Ok, lui c'est bon. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres plus bas? Ouais, j'en vois un là. Là, il pleut maintenant. Oula! Tiens, pendant que tu fais l'orang-outan, moi je te tape. Oula, oulala! Ah, il y en a d'autres là? Ah, il y en a un que j'ai tué, ok. Ah, je tape trop vite. Trop tôt. Voilà, lui c'est bon. Voilà, fais l'idiot. T'as raison, ça m'aide. Alors je crois qu'il en restait encore un, à moins qu'il se soit barré. Ah, je le vois là. Ah merde. En fait, selon l'inclinaison, il est parti où? Ah, il est là. Putain. Voilà. Encore un coup. Voilà, lui, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. J'ai restauré une fiole. Très bien. Alors, vu qu'ils étaient nombreux, peut-être qu'ils cachaient un truc intéressant. Enfin, qu'ils protégeaient un truc intéressant. Là, c'est quoi? Un truc à récupérer sur un cadavre? Ah. Des œufs de crabe, ok. Bon, je suis content de les avoir vaincus. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas vu de site de grâce dans le coin là. Ça serait bien pour peut-être prendre un petit level là avec tous les. Ouais, après il y avait rien de particulier en fait là. Ok. Bon, au moins je suis content que j'ai réussi à les vaincre sans me faire tuer, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en avait pas mal malgré tout. Il y en avait pas mal. Ah, là il y a d'autres ennemis. Bon, eux ils sont à ma portée quand même. Hein. Oh merde. Ah putain. Oh non! J'ai tapé dans le vent.
Putain, mais je voulais changer d'arme. Ok, c'est pas grave. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, bon d'accord, on revient avec l'épée. Je sais pas, je voulais. J'avais le truc de l'arc. Le faisceau lumineux de l'arc là. Ah putain, j'ai plus assez de potions de. Oh là là, de points de compétence, c'est pas possible. Putain. Et pourquoi ça m'a enlevé? Putain, il va se faire une joie l'autre là. Ils sont super nombreux, vite, 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 là. Je sais pas, il y a une guerre, là, en fait. Il se passe quoi, là? Il y a une guerre? En fait, là, c'est un bon moyen de récolter des... Oh non, j'ai pas pris la bonne potion, putain. J'ai fait n'importe quoi. Bon. Ok, tout va bien. Putain, mais pourquoi j'ai changé d'arme? Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. D'accord, bon, tout va bien. Oh là 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 là. C'est pas possible. Oh là 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 là. Non mais là je vis dans le vent quoi. Ah, ok, en moins. Voilà. C'est bon ce coup-ci. Ah, ça restaure une fiole, ça c'est cool. Ok, j'ai récupéré un carreau seigneurial. Un fauchon, donc une épée. Des carreaux. Est-ce que d'ailleurs je peux... équipement... épée courte, fauchon. Par contre j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour l'utiliser. Il faut 13 en dextérité donc je peux pas l'utiliser pour l'instant. Ouais pareil pour la faux. Et actuellement j'ai combien? J'ai 12. Ah. Donc je pourrais peut-être bientôt l'utiliser. Bon, épée courte, j'en ai deux. Ok. Bon, je vais essayer de retourner sur la route, là. Ah, d'ailleurs, on peut même aller ici. Il y a un passage ici. Même pour explorer tout ce qu'il y a là. Waouh.
J'ai gagné un fragment de ruine. Et pourquoi il n'y a pas un site de grâce dans le coin là? Ah mais c'est un truc de dingue. Ok, un en moins. Ah cool, j'ai restauré une fiole. Bon, je me sens plus rassuré avec la monture quand même. Et mais y a pas un site de grâce dans le coin, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ok, ça c'est bon. Oula, il y en a plein là. Enfin, pour moi, plein c'est 3 hein, déjà. Je crois que j'en ai tué au moins un. Ah, peut-être un quatrième qui est arrivé parce que. Ah putain. Oh là là. Ok, dans le vent, dans le vent. Ok. Il y en a encore un là. Putain. Ok, c'est bon. Ok, j'ai récupéré des choses là. Fragments de ruines, pierre arc-en-ciel. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est pour sauter. D'accord, parce que là, effectivement, je ne peux pas continuer sinon. Ok. D'accord. Oui, dans tout ça, ce n'est pas... voilà. On peut pas le savoir hein, avec la carte. Là, je pourrais voir pour le pont. Mais bon, je sais que de toute façon, que c'est pas là qu'il faut aller dès le début. Hein. Je vais continuer. Oula, par là. Lise de Trina, ok. Une dorée. Ouais. Après, par contre, pour progresser, là, avec la monture, c'est un peu compliqué.
Le saut, ouais, d'accord, je viens, mais... Ouais, ok. Alors, j'ai pas du tout le skill, je sais pas. Ou alors, je regarde en descendant, là, je sais pas. Ouais, c'est peut-être mieux en fait. Ok, et là du coup, je rejoins la route, hein, c'est ça? Ok, d'accord. En fait, c'était mieux. Tournesol d'Oriterny, ok. D'accord, en fait on peut passer peut-être de l'autre côté grâce au truc ascendant là. Ok, j'ai obtenu des carreaux. Je voudrais bien un site de grâce là quand même, ça serait bien. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement d'endroits à explorer, à découvrir. Des trucs cachés, des secrets, des trucs. En fait, on a envie d'aller partout. Mais on peut aller partout en même temps, quoi, c'est ça le truc. Oh là là! Oh putain, l'ours! Ah, il a déboulé de nulle part! Non mais... Mais tellement de nulle part! Eh? Mais il a déboulé tellement de nulle part! Oh, par contre, il va ultra vite, hein, excuse-moi. Hein. Putain. Putain, pourquoi y a pas un truc de visée automatique? Oh là là, oh là là! Non, là, faut que je me barre, vraiment. Eh, c'est quoi ça? Attends, il y a un truc qui m'a attaqué, je sais pas ce que c'est. Un crabe géant? Non, c'est une blague, il y a deux crabes géants maintenant. Non, mais là, c'est une grosse blague quand même. Ok. Et des sites de grâce, il y en a jamais en fait dans le coin? Non mais là je dois bien juste trouver un site de grâce s'il vous plaît parce que... Ah c'est le même mec que... Ah je suis revenu là en fait!
D'accord, j'ai fait tout un tour, ok. Ah, j'ai fait tout le tour en fait. J'ai fait tout le tour. Bon, par contre, il n'y a quand même pas un site de grâce dans le coin, hein. Ça, un petit peu étrange quand même. Parce que ça pourrait être une bonne occasion de prendre un peu de level là quand même. Putain, il y a des ennemis à gogo un peu partout, mais un site de grâce nulle part, hein. Toute une procession là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. D'accord, il y a tout un truc là. Pierre de forge sombre, ok. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un site de grâce dans le coin quand même. Oula! D'accord, il y a plein d'ennemis. Non mais là, j'ai parcouru toute une étendue. Il n'y a pas un site de grâce quand même. Là, c'est un truc de barge. Donc là il y en a là. Là il y en a trois au même endroit. Là j'ai. Il y en a... Bon, il y a ceux-là du départ là. J'ai fait tout ça et j'en ai pas vu un. Ou alors ils étaient bien cachés. Ah, c'est quand même barjot, hein. Ah, et là, là-bas peut-être. Je crois que c'en est un. Mais alors, vraiment. Là, je suis où? Cabane de. De l'artiste. D'accord. Bah, dis donc. Alors, j'ai peut-être. Il doit bien avoir quand même. Au moins un dans le coin là. Mais c'est bizarre que j'ai pas du tout vu, hein. Ok, donc je vais pouvoir prendre un peu de level, à mon avis. Alors. Montée de niveau. Ouais, j'ai 1690 runes, quand même. Il m'en faut 811 pour monter de niveau. Alors, on va prendre... dextérité. Donc déjà un niveau, voilà. Et je prends un point de foi aussi.
Ouais, j'ai pu prendre deux niveaux quand même là. Ok, donc ça va faire du bien. Ah d'accord, j'ai pas assez de graines. Améliorer les fioles. D'accord, donc la quantité de PVPC restaurée par vos fioles a été augmentée, donc ça c'est bien. Répartir les doses de fioles, 4 et 2. Ouais, bon, je vais rester comme ça quand même. Donc ça, j'ai pas assez. Donc maintenant je peux mettre le fauchon. Ouais, c'est une épée quand même qui a plus d'allonge, hein. Ah, il y a un tableau là, ok. Tableau mal du pays, ok. Ah, on peut pas le détruire, ok. Pierre de forge. Oui, donc c'est pour ça que c'est un artiste, hein. Il y a un tableau, ok. Je suis content d'avoir pris deux levels quand même là. Par contre, je dois bien avoir des seaux pour pouvoir utiliser les incantations en fait là. Le cavalier crépusculaire, d'où il sort celui-là? Oh là là! Mais c'est quoi ces boss là? Non, c'est quoi ces boss cavalier crépusculaire? C'est quoi ça? Je peux pas les vaincre, c'est pas possible. Il a une barre de vie de ouf, lui il te fait un coup et tu meurs. C'est quand même compliqué là, ça paraît un peu compliqué. Ça paraît très très compliqué. Alors.
Bon, déjà, je vais essayer de récupérer les runes. Oula, d'accord. C'est pas le cavalier crépusculaire déjà, tant mieux. Je pense qu'il doit apparaître que la nuit, hein. Crépusculaire, crépuscule. Ok. Bon, elle est bien cette épée parce qu'elle a une plus grande allonge que celle que j'avais avant. Avec ma classe astrologue de base. Oula. Vite une potion. Ça chauffe. Ah, lui, je l'ai vaincu. Super. En fait, j'ai vaincu son cheval surtout. Ah, ok. Merde. Dans le vent. Putain. Voilà. Ah, il est pas vaincu encore un coup. Merde, je suis allé trop vite. Voilà. Ah, c'est pas fini? Attends, je vais l'achever. Coup de bâton. Voilà, coup de bâton magique. Ok, ça a rechargé une potion. Très bien. On va récupérer les loots. Casque de soldat de Godric, ok. Jambière de fantassin, ok. Ok, super. Bon, eux, du coup, ça fait des runes faciles. Voilà. Autant profiter tant qu'il y a des runes faciles. Donc là, du coup, je reviens au niveau des ruines de la porte. Ok. Bon, j'explore un petit peu. Là, je suis allé ici, la cabane de l'artiste. Je vais regarder un petit peu aussi par ici. Ça, c'est quoi? Ah, mais il y a une longue vue. On peut regarder. Je vais regarder ce qu'il y a. Je croyais qu'on pouvait regarder la longue vue. Ok, non. Mince, coupé. Ok. Ok. Touché. Il est passé où? Ah, il est là.
Merde, loupé, putain. Ah, loupé. Merde, loupé. Oh putain, dans le vent. Voilà. Voilà. Mince, loupé. Voilà. Donc le cheval est vaincu. Voilà. Et logiquement, c'est bon. Ok. Et ça m'a rechargé une potion. Donc ça, c'est très bien. Grotte du Bosquet. Effectivement, j'ai peut-être regardé un petit peu par là. Voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai loupé à explorer un petit peu. Oh là là, loupé dans le vent. Ok, ça c'est bon. Ok, on obtient des carreaux. Je sais pas si j'avais exploré ces ruines là. Ah bah si, ça là-bas c'est la Nécronome en fait. Oui, c'est là d'où je viens en fait, tout est vu, ok. Ah, là, il y a un site de grâce. Église d'Élée, donc j'ai pas dû l'explorer. Toucher la grâce. Alors, voyage rapide vers les sites de grâce. Grâce à votre carte, vous pouvez instantanément vous rendre dans n'importe quel site de grâce que vous avez découvert. Oui, ça, je sais. Donc, c'est pas possible dans certains donjons et autres zones. Ok. Alors, est-ce que j'ai de quoi monter un niveau ou pas? Ah ouais, largement, ouais! Ah, largement! Alors, je vais peut-être monter un petit peu aussi d'autres choses. La force. Ok. Et... l'esprit aussi. Comme ça, ça augmente les points de compétence. Ah, j'ai pris 2 niveaux, super. Ah, ce soir, j'ai pris 4 niveaux, je suis content, franchement. Il a une tenue de Père Noël, lui, un peu.
Ouais, je suis parti sans éclat, ouais. Ah, il vend des trucs, lui? Ah, il vend plein de trucs! Dague de lancer. Télescope. Ah, d'accord. Alors, du coup, c'est que j'ai plus d'argent. Remettre des doigts crochus. Révèle les marques d'invocation coopérative et compétitive. Peau fissurée, contenant un savoir fabriquer des pots à lancer. C'est quoi ça? Nécessaire de fabrication, permis de fabriquer des objets. Ah, d'accord. Bon, carreau, j'en ai plein de toute façon. Voilà. Des flèches. Bon, faudra un arc, mais voilà. Manuel missionnaire. Manuel guerrier nomade. Ok. Torche. Ouais, ça pourrait être bien ça, torche. Grand bouclier de cuir. Ah, ouais, d'accord. Un meilleur bouclier. Coiffe de maille. Côte de maille, gantelet de maille, ok. Relais en ruine, fiole de salumier reculeux. Jambière de maille, ok. Alors, renforcez les armes. Lorsque vous vous tenez près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Ah, d'accord. Quelque part dans l'entre-terre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Contenants. Vous aurez besoin de peaux fissurées ou d'autres contenants pour fabriquer certains objets. Vous ne pouvez créer un nombre d'objets supérieur aux contenants dont vous disposez. Ok. Les contenants se consomment lorsque vous fabriquez, mais vous pouvez les réutiliser après les avoir vidés. Ok. Alors, pierre de forge, ok. Alors, renforcer une arme. A l'aide du menu forge, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Vous pouvez de cette manière améliorer vos armes jusqu'à plus 3. Quelque part dans l'entre-terre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Alors, le truc, c'est que ça coûte de l'argent, bien évidemment. Même le bâton d'astrologue, je peux, d'accord, l'améliorer aussi. Ok. Mais je n'ai pas assez de runes. Bon. Bon, maintenant je le sais. Ah, c'est un super. Franchement, c'est un super jeu. Super dur, mais super jeu. En fait, faut vraiment. Faut être tactique. Faut d'abord affronter des adversaires pas trop forts. Pour prendre des runes. Du coup, monter de niveau. En augmentant nos différentes stats. Et après, s'attaquer à des adversaires plus forts. Hein. À moins d'être, voilà, d'avoir un skill de ouf, mais quand on est comme moi avec un skill moyen, faut pas affronter le dragon de suite, quoi. J'aime bien combattre avec la monture, c'est quand même plus simple en fait, je trouve. Ah, j'ai obtenu des armes, cubari, je sais pas quoi.
Alors, j'en bière de soldat. D'ailleurs, équipement. Alors, cervelière de fantassin. Alors, ça augmente certains trucs, mais ça baisse certains trucs. Là, c'est pareil. Ouais, en fait, si ça baisse la magie, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est pareil, ok. Ouais, là c'est pareil. Bon, là ces soldats-là sont pas très forts, ça y est, pas de soucis. Il y a une grotte là, non? Ouais, il y a une grotte. Là. Grotte du Bosquet. Ce recueil d'invocations est à présent opérationnel. Ah, mais il faudrait une torche, hein, parce que là, ça risque d'être compliqué sans la torche. C'est vrai qu'on montre la direction. Ah, mais même là, on peut aller par là! Et moi, j'avais continué tout droit, non? C'est pas ça? Bon, de toute façon, je vais repartir par là. Ouais, eux, ils sortent du poison. Ouais, il y a tout ce coin-là aussi à explorer. Ah oui, du coup, mais là, ouais. En fait, je suis bloqué, je peux pas monter après, quoi. Ouais, en fait, faut passer vraiment par les portes. Ouais, il n'y a pas trop le choix. Ok. Bon, le jeu me fait penser à Assassin's Creed Odyssey, côté monde ouvert, mais après évidemment c'est pas du tout le même univers, mais
Sinon, ça fait penser pas mal à ça quand même. Ah! Putain! Ils sont ultra nombreux là. Ah merde. Bon, j'étais un peu trop optimiste. Il est fort lui quand même. Excellent, j'avoue, il est fort. Bon, c'est pas grave. Je vais récupérer les derniers sites de grâce utilisés. Je vais récupérer les runes. Renforcement d'esprit. Les esprits invoqués à partir de cendres peuvent être renforcés par un harmonisateur spirituel. Vous aurez besoin de muguet pour améliorer les esprits. Oh là, putain, il y a tellement de trucs dans ce jeu. Ah, ils se sont cassés la tête, les développeurs, hein, franchement. Ah, là, il pleut. Ok, super. Ah, je crois que c'est là.
Puis là, il y a un site de grâce ici. Alors 600. Ouais, mais j'ai pas assez en tous les cas. Ok, donc on continue. Gantelet de soldats, ouais. Donc ruine de la porte, ok. Oh là là, c'est qui lui? Ce monstre là? Oh là là. Ok, je me suis fait avoir, complètement avoir. Bon. Allez, faut que j'aille récupérer mes runes là, perdues. On laisse les soldats, tranquillos. Portourage, je laisse tomber, je trace aussi. Allez, on trace. Voilà.
Ah, c'est bon, ok. Et là, il n'y avait rien à récupérer de spécial. Si. Carreau seigneurial, ok. Ok, on continue. Valorage, ok. Donc ça, j'y étais allé. Je sais qu'il y a un site de grâce ici. Logiquement. Il me semblait qu'il y avait un site de grâce dans le coin. C'est un peu plus haut peut-être. Ah, il y a des loups aussi, visiblement. Ah oui. C'est quand même plus simple sur la monture. Ah voilà. Il y a un site de grâce qui est là. Alors je vais peut-être pouvoir prendre un level. Presque. En même temps, je me dis, est-ce que j'aurais pas gardé mes runes pour acheter des objets? Alors ça, c'est à lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts et accumuler du saignement. D'accord. Ouais, donc en réalité, c'est plutôt par là qu'il faut aller. Non, le problème, c'est qu'on peut pas ouais, traverser la falaise. Ah, mais il y a un petit chemin là, ok. En fait, faut prendre le chemin par là. Oula. Génial, j'ai réussi. Oula. C'est qui là qui me tire dessus? Putain.
Eh oui, j'avais loupé l'entrée du château. En fait, j'étais allé une fois, mais j'avais dû changer de chemin. Alors le problème... J'imagine qu'il n'y a pas un site de grâce dans le coin. Donc, en termes de potions, je suis un peu juste là. Ah si, super. Super, il y a un site de grâce. Génial. Génial, génial, génial. Et je vais peut-être pouvoir même prendre un level. Ouais. Je vais augmenter la vigueur, ça augmente. Ouais, pas mal de trucs physiques. Ah, mais comme ça j'ai plus de PV. Ouais, la vigueur. Donc, level 14, ok. Ah, il y a une scène. Ça, c'est un boss, j'imagine. Ouais, mais je crois qu'on va devoir l'affronter. Ok, bon. Margit te déchu. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas utiliser mon... D'accord. Bon, j'ai fait un peu de dégâts. Ouh là là, ouh là là. Il me lance une sorte de boomerang là. Ah putain, le temps que je bois ma potion. Oh là là. Non mais je lui ai pas enlevé grand chose, hein. Ok, ça va être chaud. Ça va être chaud, 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 chaud. Oh là 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 là.
Oh la longe qu'il a pu me faire, il lance des projectiles de ouf là. Oh là là. Merde. Ça va être compliqué, il a une barre de vie lui. D'accord, non franchement. Que moi je vais pas du tout vite. Puis il lance des projectiles en plus. Non mais là, c'est compliqué hein. Non mais j'ai bon, je lui ai enlevé un peu plus que la première fois, mais je lui ai enlevé quoi? 20%? Non mais c'est compliqué là. Bon. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais ça va être compliqué de le vaincre, hein, je pense. Hein. Bah, prochain let's play, hein, prochain live, je me remets sur Margit le déchu. Mais là ça fait 2 heures que je joue, donc je vais peut-être m'arrêter. Hein. Bon écoutez, si ça vous a plu, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play. Partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez vos commentaires. Mais c'est vrai qu'honnêtement, bon, moi je suis pas voilà, le gamer qui a le plus de skills du monde, etc. Mais honnêtement, c'est un jeu super dur. Alors je pense qu'il y en a peut-être plein qui, voilà, qui rêvent à se dépatouiller. Mais moi, c'est mon premier jeu From Software. J'ai jamais fait de Dark Souls et compagnie. Donc c'est vrai que du coup, c'est assez dur. Puis alors les boss, c'est encore plus dur. Mais bon, j'essaierai de m'améliorer. Peut-être l'affronter un peu plus tard, je sais pas. Je sais pas quel niveau recommandé d'ailleurs pour l'affronter, mais il nous faudra regarder un petit peu peut-être sur internet, voir ce qu'il conseille. Bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt. Donc pour du Elden Ring, moi aussi Atelier Sophie 2, Voice of Cards et Triangle Stratégie pour les let's play du moment. Voilà, merci à vous, à très bientôt, jouez bien, ciao.